catch a wrong vibe when you complicate. Hey, bonjour. C'est vrai que ça fait énormément plaisir de pouvoir être sur un plateau, de pouvoir travailler. Permettez-moi de baiser cette main charmante, madame, si ce n'est pas une trop grande faveur pour mes lèvres. Je les avais entendus parler fort, en essayant de parler doucement. Cette aventure, elle est née en août 2018. En fait, je suis allé dans un hôtel abandonné qui est à Gietro, à côté de Finhaut. Et j'y ai passé un mois. C'est la propriétaire de ce lieu qui m'a proposé de venir. Et j'ai écrit. L'endroit m'a tellement fasciné que j'ai décidé d'écrire une fiction qui se passait à l'intérieur même de ce bâtiment. Sarah est grande et fine. De longs bras. De longues jambes. De longs doigts. De longs cheveux bouclés. Avec une longue frange qui lui tombe devant les yeux. Et le projet, c'est de retourner dans l'hôtel où l'histoire a été écrite et de filmer un plan séquence, en fait. Le rêve, c'est un peu ça. Un unique plan séquence dans cet endroit. Le texte devrait rester à peu près pareil, sans trop d'adaptation. C'est vraiment une recréation pour la télé. C'est un personnage qui est l'aide de camp d'un prince. Et en fait, dans l'histoire, ils vont se retrouver à échanger leur rôle. Le Marinoni va se déguiser en prince pour approcher de la princesse que le prince doit épouser, pour apprendre à la connaître.